Bonjour à tous. Je pense que ce matin, c'est une grande émotion pour moi. Je suis très ému. Je vais vous dire tout d'abord, j'ai une pensée pour les salariés de ce club qui se sont battus, pour les joueurs, pour tout le personnel de ce club qui depuis des mois s'est battu à mes côtés. J'ai une pensée aussi pour les supporters et je dirais pour tout ce qu'ils font pour ce club et tout ce qu'ils ont fait pour ce club et du soutien aussi qu'ils ont apporté à ce club. J'ai aussi une pensée pour mes partenaires, pour nos partenaires qui ne nous ont jamais lâchés, qui ont toujours été avec nous. J'ai une pensée pour tous les gens qui sont membres du conseil d'administration, actionnaires et tout. Je me suis battu. Je voulais sauver ce club. Je voulais sauver les emplois. Je voulais sauver le travail qui a été fait depuis la création de ce club. Et depuis 15 ans, je voulais véritablement, je dirais, que ça continue. Le Mans, il a été capable de faire un centre de formation magnifique. On était 6e en 2011. Je crois que ce laboratoire qu'on a été capable de faire ici, de formation, qui a permis de sortir autant de joueurs, c'est cela, la force du banc. Et c'est pour ça que je me suis battu, parce que je considère que ces jeunes qui sont dans le centre, c'est des jeunes à qui on offre un avenir. C'est des jeunes que l'on forme tant sur le plan éducatif, sur le plan sportif que sur le plan mental. C'est pour cela que jusqu'au bout j'y ai cru, que jusqu'au bout, nuit et jour, et les week-ends compris, je me suis battu. Je suis blessé. Mais une chose est certaine, si vous voulez, j'ai aucun regret de m'être battu quand je vois tout ce que les gens ont été capables de travailler. Je dirais que Le Mans a été reconnu. Le Mans est aujourd'hui une ville qui compte pour le football. Et c'est cela qu'il faut retenir. Bien sûr que c'est un échec personnel. Et je le ressens comme un échec personnel. Je n'ai pas triché. Je me suis investi totalement dans ce club. Voilà, on a fait pas mal de choses pendant ma présidence. Et je dois dire que c'est dur. J'envisage de réunir le conseil d'administration lundi à 18h et de parler avec le conseil d'administration de la suite qui va être donnée. Car ce n'est pas tout seul que je dois prendre la décision. C'est avec les actionnaires. Peut-être la crise économique de 2008, je l'ai mal vue, je l'ai mal appréciée. J'ai certainement fait des erreurs. Vous savez, quand on est dans une situation d'échec, il ne faut pas dire c'est la faute des autres. C'est déjà sa faute à soi, c'est tout. Voilà.